Ici, c'est le palais de Tokyo et c'est l'état du ciel partie 3. Alors pour ça, on a demandé à des artistes, on leur a donné carte blanche pour qu'ils s'expriment à la fois sur les circonstances politiques, morales et philosophiques de notre monde. Alors derrière moi, c'est la salle de Ed Atkins qui présente un triptyque de 3 vidéos avec un homme au milieu qui fume, qui boit, qui n'a pas l'air d'aller très très bien. Alors je me demande si c'est une vraie personne qui est dans la vidéo ou si c'est de l'animation. Donc ce n'est que la vidéo d'animation. Ce personnage essaye d'une manière ou d'une autre de nous livrer l'essence de ses pensées, des accidents de sa pensée et du flux de ses états d'âme. Il y a aussi l'exposition 100 ans plus tard, tout un collectif d'artistes qui, pour la venue de Maître Chuo, présente des œuvres en adéquation avec l'Ikebana. J'ai proposé en fait une collection d'instruments pour accompagner son geste, sa cérémonie d'Ikebana. Et le truc jaune là-bas, c'est une batterie, c'est ça ? Non, ça c'est un panneau acoustique, c'est une sorte de... tout ça est mis en scène dans un décor que j'ai agencé pour être une sorte de tatami géant qui représente à la fois une scène et un espace de jeu musical. Puis il y a ce gros caillou, c'est l'œuvre d'Eduardo Basualdo. Cette pierre, ce qui rappelle, une pierre est retenue à une très fine chaîne, donc c'est sous-entend que les choses pourraient tomber à n'importe quel moment et s'abîmer sur les hommes, mais c'est aussi l'idée que finalement ces forces qui nous entourent et qui nous dépassent, nous ne pourrons jamais totalement les connaître. Alors ici, on est dans la dernière salle avec un collectif d'artistes qui réfléchit à la chute, au concept de tomber. Là, par exemple, on est devant une œuvre d'Agnieszka Courante. C'est des petits cailloux qui sont suspendus. En fait, c'est l'idée que tout s'achète, l'air, le vide, et finalement que vous payez pour garder votre vis-à-vis, pour conserver votre vue. Bah, tu vois, en fait, c'est l'idée de la pesanteur, de la mythologie, la force, le secret, quoi, finalement. Après, il faut peut-être une certaine sensibilité pour comprendre. C'est peut-être ça, tu vois.